La minute des chroniques de Laurent Gouton. Aujourd'hui, on vous parle du film A Star You Cannot Kill de David Dark. Si le monde du catch vous est toujours resté hermétiquement fermé, ce film est fait pour vous. Non pas qu'après l'avoir vu, vous comprendrez tout de ce qui se passe dans la tête d'un spectateur de catch. Non. Mais peut-être serez-vous, comme moi, subjugué par cet étonnant sport-spectacle qui brouille les pistes entre la réalité et la poudre aux yeux. Comme le documentaire lui-même. Est-ce que tout est réel ou certaines scènes sont-elles mises en scène ou exagérément dramatisées? Le réalisateur semble bien se rire de nous. L'acteur, David Arquette, dans son propre rôle, a en apparence tout pour réussir. Pourtant, il offre ici un portrait qui nous le rend tantôt attachant, tantôt pathétique. Souffrant de multiples maux, tant physiques que psychiques, cet hypersensible tombe facilement dans les conduites addictives. Le catch est vraiment la dernière activité que lui recommandent ses médecins. Mais il n'a qu'une idée en tête, poursuivre son rêve de gamin et devenir une star du catch à défaut d'une star de cinéma. Par le passé, grâce à son statut de célébrité d'Hollywood, il a décroché un peu trop facilement le titre de champion du monde poids lourd. Mais justement, les fans de catch ne lui ont jamais pardonné ce manque de respect flagrant. Après avoir cuvé et pas configuré sa honte intersidérale, il remonte sur le ring. Mais son parcours pour retrouver l'estime de la planosphère catch sera semé d'embûches et souvent impitoyable. Un film de rédemption tragicomique pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Les chroniques de Laurent Gouton sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Alice.